Et salut à tous, on est reparti pour la mi-temps, c'est la tournée des 32 franchises eFoot en compagnie de Max Zer de Wu-Tang. Salut à toi. Salut, salut, salut Erwan, merci. Donc, je posais quelques questions du coup sur la préparation de FL Hiver. Quoi, qu'est-ce que tu as pensé du format avec 32 équipes au top départ? Déjà, c'est ben, je veux dire, c'est une bonne expérience dans le sens où c'est une expérience nouvelle. On a l'habitude de format de championnat restreint, on va dire, avec maximum 10 ou 20 équipes. La 32, ça permet d'avoir un bon mix et de découvrir encore plus d'équipes, de joueurs. Et plaisir de pouvoir autant d'équipes. Ok, tu pourrais nous parler de toi, ton expérience personnelle sur EFA? Mon expérience personnelle, elle a commencé, à vrai dire, première saison sur FIFA 20, le Wu-Tang a décidé donc de tous revenir et de relever le défi UEFA en fait compétition et c'est vraiment le petit challenge UEFA là qui nous a vraiment lié intéressé pour les clubs et voilà et on a fait la première saison tous ensemble entre potes et avec des nouveaux joueurs qu'on a appris à découvrir et voilà après c'est une expérience, enfin, c'était, on va dire, le mot expérience est bien parce qu'on a beaucoup appris sur cette première saison avec, ben, il y a des équipes qu'on connaissait pas. Donc, découvrir leur jeu, les joueurs, leur mentalité, tout ça. Donc, franchement, c'était le format. Ouais, du coup, en parlant d'effectifs, tu pourrais nous parler si ça a bougé, s'il y a eu des départs, s'il y a eu des arrivées, surtout. Nous parler un peu de ce groupe. Alors, bon, donc. Nous, on est arrivé avec notre noyau, on va dire. En sens des départs, on a eu, on n'a pas eu grand-chose. Je vais faire par ligne. Gardien, on a rendu. Enfin, on a arrivé de Nordi, qui était déjà là sur la première saison avec nous, mais qui était parti à une SN. En défense, Ténès, très bonne recrue. Qui vient vraiment renforcer la défense centrale. Sur le milieu, donc c'est notre milieu. Ryan, un des anciens, et Dream Lavezzi, qui était à Restart. Et ensuite, bah après, il y a des tests encore. Donc là, on est vraiment en train de boucler. Voilà, quelques arrivées sur le sens des départs. C'est des connaissances à nous. Le club. Ils nous ont dépanné, on va dire, sur la première saison. Ça marche, ça marche. Tu pourrais nous donner du coup l'objectif de Wu-Tang pour le FL Hiver? Alors l'objectif, donc après cette première saison, on a fait les play-downs. Donc l'objectif là, c'est d'aller les playoffs et d'aller le plus loin possible sur la saison régulière. Et donc ouais, donc sur la saison régulière, sont qualifiés et les playoffs, aller le plus loin en playoffs et l'EFC aussi. Essayer d'aller gratter le plus loin possible. Bah, parfait, Max, je te remercie et je te souhaite un très bel EFL Hiver. Ah, merci à toi aussi.